Quantos mari primer ve leze apremidi? Ti ne va person? Sa ya koz l'ekol tin ferme, le fe ki ti nan kek soz la ki tin kapab afekte la sante bon zanfan, ensegnan e les ot travaye. Dapre Departement l'Edikasyon, di moun ti antre kol l'ekol pa da wiken, sou tin pran sa ban boute ki nou apel fire extinguisher, pare sa ban la, e de vit son koteni pe patou an balavaran kol l'ekol e de ban toalet. Dapre sekretèr prinsipal pou l'Edikasyon, Madame Merida Delcy, Li ta ban zafa vek ban travaye l'ekol, ti arrive l'ekol ou zodi lendi bou maten, ti nan kek souz blan ki ti resemble la pou da te. Madame Delcy di ki anpe pli ta, sete ban etidyan yon senyant ti pe komons tousi, si tou ban ki ti gen asma e li zout problem respiratoire. Deputy Head Teacher qui est là, ou sinon le management qui est là, voir les enfants, ils commencent à rapporter avec Banato. Et ben maman qui a tendance à problème d'asthme, ça a été affecté un petit peu. Et finalement, tout le service a été mobilisé, côté la santé, ça a été venu, côté la police, la brigade est venue pour faire ici, qu'ils nous évacuent les enfants, amènent les enfants à la clinique, ça a besoin de soins. En tout, il y a 46 enfants qui ont besoin de soins médicaux. Là, d'ailleurs, il y en a qui ont besoin de clinique. Et les autres, ils côte la plaine. Après, il y a 6 adultes. Là, il y en a 2 qui ont des soins à cause de tout ce problème respiratoire. Et la restante, ils ont des soins côte la plaine. Madame Delcy dit que tout bon étudiant, enseignant et les autres travailleurs à l'école s'y viennent évacuer côte centre, de la plaine qui existe en dehors de la cour d'école, vu qu'ils partent en sécurité pour garder bons enfants côte de l'école même. C'est des enfants qu'ils ont parents qui sont capables de venir chez eux tirer de la cour depuis bon matin même, tandis que les autres tirent un peu plus tard. Il y en a un peu déjà qui département d'éducation puis emploie une agence de sécurité privée pour veiller l'école, les jours aussi bien qu'à soir, tous les jours. Madame Delcy dit que d'après l'information qu'il gagne avec sa l'agence de sécurité, son officier ne voit personne qui est capable de faire ce vandalisme. Et moi, j'ai causé avec un monsieur dans sa ferme. Et lui, laisse-moi comprendre qu'ils n'ont pas percevoir personne pendant les temps qu'ils sont là. Ils n'ont pas percevoir personne dans le compound, mais seulement la police, il peut faire son investigation pour nous capables d'arriver, établir quoi exactement qu'il est arrivé. Et en même temps aussi, sécurité, il y avait capable de faire son statement et donner un petit peu l'information, le quoi qu'il connaît. Et si ils sont là, full time, Marie nous dit, je suis capable de fournir avec l'information nécessaire. Secrétaire principal pour l'éducation, il dit qu'il n'a pas aucun meuble ou bien les autres équipements de sa école qui gagnent endommagé de sa l'incident. Tout de même, il demande tout le monde pour respecter la cour et propriété de l'école. Pour dire que c'est une propriété qui l'a coûté l'école, il a servi l'école, il a servi nous tous, nos enfants, nos communautés. Nous devons montrer un petit peu plus de respect envers tout ça là. Nous devons beaucoup apprécier. Et après, quand ça quelque chose est arrivé, là, dit, mon esprit, il fait toutes sortes de qualités de spéculation. Il y en a qui, déjà, pour matin, nous avons une grande banque qui nous dit, vous avez une explosion contre l'école qui est arrivée de différentes façons. Et ou comme les parents qui peuvent travailler autant de ça, ils peuvent pas croire, ou l'esprit est en paix. Ou envie qu'on ait qui peut arriver, ou envie de sortir pour regarder sous enfants et sains et saufs. Ça nous voit, pour dire tout ça, l'interférence, ça met beaucoup l'impact négatif. Lors de l'école, de nos enfants, de l'étude de nos enfants. Quant à bon étudiant d'école grand pansement et primaire, je pourrais tourner l'école le même mardi après-midi, pareil l'habitude.